mes petits violonistes. Je suis Céline, professeure de violon. Bien. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va nous faire travailler la position du second doigt. Alors, vous avez laissé votre archet et nous allons travailler en pizz. Prenez votre violon. On va enclencher le violon et donc on va travailler la pose du second doigt sur toutes les cordes, sachant que nous allons travailler avec un intervalle d'un ton entre le premier et le second doigt, donc nous aurons les doigts écartés. Bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas mélanger. Nous allons travailler avec le premier et le second doigt écartés sur toutes les cordes. Bien. Alors, on va enclencher le violon et on va travailler sol, sol, la, la, si, si, la, la et le sol. On répétera en fait deux fois chaque note, deux fois la corde à vide, deux fois le premier doigt, deux fois le second doigt, deux fois le premier et deux fois le zéro. Ok ? Bien. Alors, je changerai de position. D'abord, je me mets dans un sens. On se met en pizza. On se prépare, corde de sol. 3, 4, sol, sol. 1, 2, 1. Moi, je vais refaire la même chose, mais je vais me tourner de manière à ce que vous voyez comment je vais poser mes doigts. Vous voyez, je maintiens ce fameux petit pont que j'avais avec le premier doigt. Je joue sur le bout du doigt et non pas le doigt à plat écrasé. Non, 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 non. Sorte cette phalange et cette phalange. Et je joue sur le bout du doigt. J'ai l'ongle qui me regarde. L'ongle n'est pas complètement tourné. Vous voyez, l'ongle me regarde. Je le refais. Bout du doigt. Autre chose que vous pouvez remarquer, c'est que mon troisième et mon quatrième doigt, qui ne joue pas encore, se trouve dessus des cordes. Ok ? Alors on fait la même chose aux cordes de ré. De ré, demi, de fa dièse, demi et de ré. 3, 4, ré. Répéterai l'exercice plusieurs fois. Je me retourne pour que vous voyez la corde de là. Hein? On y va, corde de là. De là, de si, de do dièse, de si et de là. 3, 4. Et corde de mi, demi, de fa dièse. De sol dièse, de fa dièse et de mi. 3, 4. Je vous le refais, corde de mi dans ce sens-là. On maintient un poignet droit, hein, du coude jusqu'à la main. J'ai une ligne droite. Corde de mi, 3, 4. Bien, faites attention, en aucun cas, quand j'ai le second doigt posé, j'ai les deux autres doigts qui partent se plier sous le violon. Hein. Faites bien attention à ça. Le coude est bien sous le violon. Il n'est sorti ni d'un côté, ni trop de l'autre. Hein. Légèrement sous le violon, sans forcer. Voilà, donc commencez avec des petits exercices tout simples. Hein, où vous travaillez tranquillement votre premier, votre second. Hein, sur le bout des doigts, on maintient ce fameux petit pont. On n'aplatit surtout pas, on joue vraiment sur le bout du doigt. Voilà, et dans une prochaine vidéo, on incorporera l'archet. Ok ? Allez, bonne pratique, bon travail. N'oubliez pas que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, un commentaire, j'y essaierai d'y répondre, bien sûr. Et on se dit à très vite. Allez, bon travail.